Une émission réalisée avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service général de l'audiovisuel et des médias. Hello, vous écoutez Musique y a solo solo. Autrement dit, en lingala, la vraie bonne musique congolaise. Musiki à Solo Solo, une émission en 4 épisodes qui parcourt quelques moments clés de l'histoire de la rumba congolaise. Ma solo, ya musique, ya Congo. Musiki à Solo Solo, présenté par Papa Boni et DJ Rumbosh. Tu veux lui dire que je suis né à Matadi? Oui, je suis né à Matadi, grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas jusqu'à les terminer. Kinshasa, Matadi, c'est 365 km. Donc, quand on était des enfants, les grandes vacances comme ici, 2 mois, qu'est-ce que tu fais à Matadi? Tu dois bouger quand même. Alors, la plupart des parents habitaient à Kinshasa. Alors, nous, pendant les vacances, que ce soit les vacances de Pâques, je dois aller à Kinshasa. Les grandes vacances, je dois aller à Kinshasa, parce que tous les parents étaient là. On allait en train? En train, oui. Vraiment, il y a une différence. Matadi, c'est une ville montagneuse. Hein.
tu descends, tu montes, tu descends, mais Kinshasa c'est plat. C'est ça la différence. Et puis Kinshasa, bon, comme la capitale, c'est là où se trouvaient les institutions de l'État, enfin à l'époque coloniale. Ça s'appelait Léopoldville. Oui, Léopoldville. Et c'était la capitale du Congo. Donc si tu vas là, il y a un changement. Tu vois qu'ici, là, les choses sont bien, quoi. Et le bus de transport, tu vois, même la façon qu'on a conçu Kinshasa, c'est différemment avec Matadi. Comment circulait la musique à Léopoldville? Mais c'est toujours chouette parce que comme j'aimais la musique, bon, mes parents ne voulaient pas, surtout ma mère ne voulait pas que je fasse la musique. Mais moi, je voulais toujours écouter la musique. Là où il y a la musique, il faut que j'aille. On ne rentre pas, mais on est dehors pour écouter. Et puis parfois, on est pourchassé par la police parce qu'à l'époque coloniale, les mineurs, moins de 18 ans, on ne peut pas te voir à partir de 18 heures, on ne te voit pas dehors. Hein. Il y avait un couvre-feu? Pas couvre-feu, c'est la loi, c'était comme ça. Moins de 18 ans, tu ne peux pas être dehors après 18 heures qu'on ne te voit pas dehors. Donc on est dans les années 50, là. Moi, comme garçon, j'avais à l'époque là même pas 18 ans, j'avais à l'époque là 8 ans, 9 ans, 7 ans, on sortait la nuit, hein. Mais vous vous cachez, quoi. Vous vous cachez derrière les maisons déjà, parce que les bars à Kinshasa, c'est pas comme ici. Hein. Les bars, c'était donc une parcelle, on transforme ça en un bar. Alors là, vous passez par derrière pour écouter, calmez, vous regardez comment ils jouent. C'est comme ça, nous, on a appris aussi à jouer la guitare, à jouer beaucoup de choses, à chanter, à cause parce qu'on partait. Voir les musiciens, comment ils font, comment ils dansent, les gens, comment ils observent. Et nous aussi, on était très, très, très observateurs. On appelait ça les Ngembo? Oui, les Ngembo, oui. Ah, voilà. Donc tu allais espionner avec tes amis, tous les musiciens? On nous appelait les Ngembo, donc les chauves-souris, quoi. Les chauves-souris, chaque fois, ils se grimpent et tout. Ils sont là, voilà. Oui, nous sommes des Ngembo. À l'époque là. Et qu'est-ce que tu as vu comme musicien à... J'ai vu beaucoup de choses de musiciens comme... Enfant, quand tu étais enfant. En tant qu'enfant, j'ai vu Papa Wendo par exemple. Quand il jouait seul, il a monté sur un véhicule de Ngoma, édition Ngoma, seul avec sa guitare, avec des haut-parleurs lance-voix à l'époque là. Et puis il jouait seul. Nous on était au stade. Le stade est plein, au moins 40 000 personnes. Il est seul, il joue seul à l'époque, là, Papa Wendo. En 1948, à Léopoldville, un homme d'affaires grec, Nico Géronimidis, créer la firme de disques Ngoma, ce qui veut dire tam-tam en dialecte bantou. Avec ce label, Nico Géronimidis met en place une structure musicale professionnelle extrêmement efficace qui va rapidement couvrir toute l'Afrique et mettre la musique congolaise à la première place sur tout le continent. Avec beaucoup d'opportunités, il va bénéficier de l'installation de la RCBA, la radio Congo-Belge pour Africains, destinée, comme son nom l'indique, à vendre les bienfaits de la colonisation et de la civilisation moderne aux autochtones. Les ventes décollent rapidement, près de 30 000 78 tours par mois au début. Et puis, avec l'arrivée des 33 tours et 45 tours, le succès est tel qu'il construit rapidement une deuxième, puis une troisième usine de pressage. Au fil des années 50, la firme Ngoma propose un catalogue de plus ou moins 4000 chansons, vend des tourne-disques et des aiguilles et distribue même gratuitement des petites radios qui permettent de capter les émissions qui diffusent ces productions. Nico Géronimidis n'aura pas vraiment pu apprécier l'incroyable succès de son entreprise. Tombé subitement malade en 1951, il décède à Bruxelles.
Son dernier souhait était de se faire enterrer au Congo. Plus de 2000 personnes vont accompagner en musique le cercueil à travers les quartiers des Blancs et des Noirs, vers le cimetière de Léopoldville. Parmi eux, un orchestre, Léon Bukassa et le Begin Band, marchent en interprétant une chanson hommage à Tata Ngoma. Goma, Goma, Tata Wabiso. Goma, Tata Wabiso. Otiki biso, bana bayo e. Ligambo te solo, toko keko, boskana yoteo. Ligambo te solo, toko keko, boskana yoteo. Mo, sala na yo e. Soka na yango e, soka mokile. Mo, sara na yo e, soka na yango e, soka mokile. Goma, Goma, Tata Wabiso. Goma, Goma, notre papa nous a quittés. Ce n'est pas vraiment grave, parce que nous n'allons jamais l'oublier. C'est vrai, mes amis, la mort est cruelle. Dansons et souvenons-nous. Buvons et souvenons-nous. Ya solo baninga liwa e zali mabe. Ya solo baninga liwa e zali mabe. Bina, bina, okanisa. Mela, mela, okanisa. Ya solo baninga liwa e zali mabe. Ya solo baninga liwa e. Ya solo baninga liwa e sale mabe. Bina, bina, organiza. Mela, mela, organiza. Ya solo baninga, liwa e zale mabe. Ya solo baninga, liwa e zale mabe. Mela, mela, organiza. Mela, mela, organiza. Ya solo baninga. Mela, mela, organiza. Mela, mela, organiza. Ya solo baninga, liwa e salimabe. Je l'ai trouvé, je savais là où se trouvait aussi le studio de Ngoma. Je n'ai pas entré dedans. Parce que j'étais encore enfant, mais je savais là où ça se trouvait. Il y avait d'abord Ngoma, Ngoma et Loningisa. Tous sont des Grecs à peu près, des Grecs. Ngoma, Loningisa et Sengo. Et Sengo, c'est après, ça c'est après 60, quoi. Mais Ngoma, Loningisa, Opika, ça sont des labels qui étaient déjà avant moi. Moi j'ai trouvé ça, je suis né, j'ai trouvé ça. Oui, il y avait ces camionnettes avec des haut-parleurs, lance-voix, ça passait dans les quartiers, ça stoppait, les gens achetaient des disques. Tu as acheté des disques comme ça? C'est les 78 jours, oui. J'achetais des disques. Au Pika aussi, il faisait la même chose. L'autre là, de Franco, l'édition de Franco, l'Oningisa. Ça, c'était les trois labels. Alors, chaque label avait ses musiciens, comme Ngoma avait Wendo, Loningisa avait Franco, Opika avait Grand Calais. Bon, là, j'étais encore enfant, mais ce que moi je sais, dans ces studios-là, il y avait des musiciens de studio, il y avait des Européens aussi, il y avait des Européens, comme l'autre là qui joue au saxo, mais son nom m'échappe. Faites Kendrix.
Ouais, je crois celui-là. Il a fait un peu comme une école de saxophone, là. Tu joues du saxophone, toi. Tu l'as entendu à cette époque-là, et le son, ça t'a plu ? Il y avait les saxos, dedans. Mis amigos, bebamos un poco, no hallemos mis palabras. Nuevo ano, cha 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 del nuevo ano. Bailamos con el ex mis amigos, bebamos un poco, no hallemos mis palabras. C'est pourquoi, tu vois, la musique congolaise, à l'époque, il faut qu'il y ait des trompettes, des saxophones, des clarinettes, des accordéons. Qui ont disparu depuis. C'est disparu maintenant, ça n'existe plus, parce que à cause de quoi ? Des synthés qui sont maintenant, on a inventé des synthés, maintenant les jeunes préfèrent maintenant, parce que dans les synthés, il y a tous les sons, des clarinettes, des trompettes, alors on a tout, pourquoi avoir des saxophones et des trompettistes ? Un synthétiseur, il a tout. Mais à l'époque, c'était un orchestre rien qu'avec des cuivres. Rien qu'avec les cuivres, pas les guitares. Même la basse, il n'y avait pas. C'était les tubas. Dans l'armée, il y avait aussi la fanfare de l'armée, la police, il y avait la fanfare de la police. Aux écoles aussi, il y avait aussi les fanfares. Nous, à l'école, on nous apprenait. En fait, quand j'étais encore en quelle classe ? En sixième primaire, il y avait une salle, pendant la récréation, il y avait une salle, vous rentrez, vous jouez tous les instruments que tu veux. Il y avait la guitare, il y avait les trompettes, les saxos. Alors il y avait un frère qui était là à vous observer, qui essaie quand même de jouer un peu bien. Quand tu joues quelque chose de mieux, maintenant on te sort de là. Maintenant tu rentres dans le choral. Là, on t'apprend vraiment maintenant à jouer sur la trompette, ou bien chant, ou bien saxo. On commence à t'apprendre comment faire ça bien. C'est pourquoi tu vois maintenant, beaucoup maintenant commencé à sortir, sont devenus des saxophonistes, des trompettistes. C'était ça. Oui, il y a des frères des écoles chrétiennes. Hein. Il y avait parmi eux, il y avait des frères qui étaient des musiciens. Connaissait bien la musique, connaissait bien jouer la guitare, bien jouer au piano, jouer bien la clarinette, tout ça. Alors quand ils découvrent que tu touches un peu des notes, que tu peux progresser, on t'enlève du groupe, on t'enlève là où tu es avec beaucoup d'élèves, là, parce que là vous faites du bruit pour faire. Maintenant, lui il est là pour vous observer, entendre qui fait quand même quelque chose qui va à la lignée de la musique. Ah, celui-là, on te met à côté. Et puis maintenant, on a formé une fanfare de l'école. Tu as joué dans une fanfare à l'école ? Oui, oui, moi j'ai joué aux fanfares de l'école. Du saxophone ? Non, non, j'ai joué... Percussion ? On appelait ça... Qu'est-ce clair là ? J'ai joué le tambour. Il y avait l'autre qui boum, 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 avec des cymbales, avec des autres des saxos, des trompettes. Et puis on marchait en chantant en même temps. C'est pourquoi je chante facilement, parce que ça a commencé depuis à l'école. Echalo para allá, beso mi corazón. Echalo para allá, beso mi corazón. Echalo para allá, beso mi corazón.
corazón. Échalo para allá, beso mi corazón. Échalo para allá, beso mi corazón. Échalo para allá, beso mi corazón. Échalo para allá. La chanson, on est avec ça. On n'apprend pas. On n'apprend pas à chanter. On est avec la chanson. Comme on m'a appris à jouer la guitare. Mais chanter, on n'apprend pas. Tu chantes directement. Parce qu'interpréter une chanson, comme nous, on était des enfants. Marie-Louise, est solo, yo. Moi, si je chante, Marie-Louise, ça, elle est à l'école. Mais guitare, ah, tu dois apprendre les accords, ah, comme ça. Ça c'est do, ça c'est si, ça c'est ré, ça c'est mi. Mais la chanson, non. Tu interprètes comme tu écoutes. On nous appelait, on avait des noms aussi, des Européens comme Tino Rossi. Il y avait des musiciens du Congo qui s'appelaient Tino. Tino Barroza. Tino Barroza. Il y a aussi des Tino, il y a aussi des Rossignol. Il y avait beaucoup de noms européens que les musiciens congolais aussi ont adaptés. Il y a même eu un Sinatra dans les années 70. Frank Sinatra. Comme les Majesty, les trios Majesty, Sinatra. Parce qu'à cause de quoi? Parce que lui, là, quand il veut prendre ton nom, ton sobriquet par exemple, parce qu'il veut faire comme toi aussi. Il veut faire comme toi. Ah, Sinatra, Tino Rossi. Chanteur. Tu connais Tino Rossi? Tino Rossi chante très bien. Lui aussi, c'est une légende. Hein. Dire que lui aussi, ici, quand il chantait, des sirènes sortaient de lui. Les Mami Wata, ça, ce sont des légendes. Oui, Mami Wata, mais moi, je n'ai jamais vu de mes yeux comme ça, Mami Wata. Mais j'entends toujours parler depuis que j'étais enfant. Mami Wata, Mami Wata. Comme on dit, Tino Rossi. Quand il chantait, les mêmes mots sortaient. C'est comme Papa Wendo, il chantait et l'autre mari lui s'est ressuscité. Des choses comme ça. Mais je n'ai pas vu, mais j'ai entendu. Tino Rossi, il y a encore un autre là, Patrice et Mario. Vous le connaissez? Voilà. Dans les monts et les plaines, traînant ses souliers, qui fait beau sur la colline, dormir tout là-haut. Là-haut sur la colline aux oiseaux. Tralala, qui font des beaux rêves, des rêves si beaux. Là-haut sur la colline aux oiseaux. Sur ma colline, dormir tout là-haut. Là-haut sur la colline aux oiseaux. Là-là-là, on fait des rêves si beaux. Là-haut sur la tranquille colline aux oiseaux. Des chansons comme ça, c'est... Donc ça, c'est plutôt dans les années 50. Oh, des années 40. 40, 50. Moi, j'ai trouvé ça aussi. Et j'aimais ça, j'ai chanté ça. Tu vois comme j'ai chanté maintenant, c'est une chanson que j'ai trouvé ça, ça existait déjà. L'autre là, de Patrice et Mario, il chantait souvent des valses, à l'époque là, des valses. On parlait de la rumba qui est une musique métisse avec toutes ses influences. Les influences, c'est ça qui a fait que le Congo était vraiment trop vite parti dans l'Afrique centrale surtout, pas l'Afrique de l'Ouest. Alors c'est ça qui a amené beaucoup de gens à venir chez nous. Parce que quand ils écoutaient à la radio, les Congolais chantaient comme ça, chez eux il n'y avait pas de studio comme au Congo. Donc il fallait maintenant chercher tout le moyen pour venir au Congo.